vais vous présenter à l'honorable Tony Mwaba. L'honorable Tony Mwaba est notre invité de marque de ce jour. Vous le savez très bien que sur le terrain, il est dynamique. Il a fait des choses qui ont fait bouger le camp de l'adversaire. Il est l'initiateur de la motion contre le... Effectif dans le... La création des écoles fictives, ouais. De professeurs fictifs. Donc, il connaît très bien ce dossier. Il le maîtrise très bien. L'honorable Tony Mwaba aujourd'hui, faute du temps, on ne peut pas suivre le programme comme on vous l'avait suggéré. Je vais vous présenter encore une fois l'honorable Tony Mwaba. Kilomètre de l'intérêt à ce qui se passe dans notre pays. On nous a présenté des combattants, combattantes qui viennent de Luxembourg, de Paris ici, de Strasbourg aussi. Alors, l'intérêt est affiché et pour moi, c'est un bon signe et soyez-en rassurés, au retour du pays, je ne manquerai pas d'en parler avec les responsables du parti pour qu'ils comprennent que ici aussi, les activités du parti se déroulent normalement. Et les Congolais veulent savoir, y a-t-il violation ou pas? Devant nous, laisser les Congolais, les communs des mortels, rester dans des débats bidons où on critique X, Y, parce qu'il utilise son droit fondamental de réclamer, de dire qu'il y a une violation. Les juristes comme vous êtes, maître Tony, pourquoi vous ne faites pas au pays un débat pour expliquer clairement s'il y a une violation ou pas? Arrêtons des débats banals, parce que nous ne pouvons pas continuer à faire ce que les autres ont fait. On ne reproche pas à quelqu'un ce qu'il a fait et je ne dis pas que le président a violé la Constitution sous réserve, je suis juriste, mais au moins la population, moi je vois, je connais ce qui se passe. En tant que juriste, il est juriste, l'IDP est un grand juriste. Expliquez cette question à la population, pourquoi vous ne le faites pas? Ma question est la suivante. Maître Tony, pourquoi vous ne passez pas devant la télé pour expliquer la population sur cette question qui dérange la nation? Parce qu'on destitue les chefs de l'État aujourd'hui, les dangers qui courent, nous les savons tous. Soit faire des réunions, pourquoi, avec tous les éléments qu'il va utiliser, toutes les forces qu'il va utiliser, ou alors, je me dis là, au moins il y a un danger. Expliquez-nous pourquoi vous ne débattez pas de la question. Bonjour et bienvenue à la ville de Bruxelles. C'est Maître Guido, capitaine Koula. Je tenais d'abord à vous féliciter et vous transmettre personnellement les salutations d'honorable Laurent Batumona qui m'a encouragé à venir ici. Je suis le président du bureau d'études et de réflexion pour les bien-être des communautés. Nous luttons pour la République démocratique du Congo, qu'on puisse instaurer un système de sécurité sociale pour tous. Dans les pays du tiers-monde, nous n'avons pas la politique de plein emploi. C'est grâce à la politique de sécurité sociale, avec la mise en place des allocations sociales pour mineurs, dans un premier temps, que nous pouvons espérer lutter efficacement contre la précarité et la pauvreté des masses. Mais je vous pose une question, j'ai parlé du président Laurent Batumona, dont je suis le représentant Benelux du mouvement des solidarités pour les changements. La question que je pose est la suivante. L'UDPS est alliée. Quel est l'état de santé
les alliés de l'UDPS aujourd'hui au pouvoir. Nous tenons beaucoup cette dimension pour que nous puissions aujourd'hui, à l'issue de cette réunion, savoir est-ce que nous sommes dans un espoir sans lendemain où il y a moyen de réformer cette vision de collaboration pour que nous puissions espérer doter la République démocratique du Congo d'un avenir meilleur. Merci. Parti. J'aimerais qu'on parle d'abord de l'actualité politique et puis peut-être un petit mot sur les partis. Alors, mais avant d'y arriver, je voudrais commencer par la question qui a été posée ici par les représentants du président Laurent Batumona, mouvement de solidarité et du changement, sur l'état de la santé, l'état de santé des alliés. L'état de santé des alliés. Je voulais d'abord commencer par là parce que c'est ce qui justifie des fois les tensions politiques que nous observons chez nous sur la scène politique. À l'issue des dernières élections qui nous ont donné le président Félix Tshisekedi, tout le monde, à la surprise générale, la Commission électorale nationale indépendante a proclamé élu le président Félix Tshisekedi, qui a été confirmé par la Cour constitutionnelle. Mais malheureusement, malgré cette victoire à la présidentielle, on n'a pas eu la majorité au niveau des assemblées. D'abord au niveau de l'Assemblée nationale, mais également au niveau des assemblées provinciales. C'est ce qui a fait que sur 26 provinces, l'UDPS n'a qu'une seule province qu'elle contrôle. Et toutes les autres provinces sont gérées par les FCC. Au niveau du Sénat, l'UDPS n'a pas eu pratiquement de sénateurs. Vous avez suivi toute la corruption qu'il y a eu, qu'on a dénoncée à l'occasion pour l'élection des sénateurs. Laissez-moi vous dire déjà d'entrée déjà que l'élection au niveau du Sénat s'apparente à un véritable marché, à vraiment une vente publique aux enchères. Là, je ne sais pas si on peut parler de campagne, mais c'est vraiment des grandes opérations financières. Quand on parle de corruption, c'est avéré. C'est vraiment avéré. Alors, comment gouverner, comment diriger un pays comme le nôtre, en ayant tout simplement la présidence, mais sans la majorité parlementaire? Aujourd'hui, on a suivi déjà dès le départ, il n'a pas les pouvoirs, c'est un pantin, c'est Kabila qui dirige, c'est ci, c'est là, il n'a pas un mot à dire. Mais je ne vais pas d'abord verser dans la politique, demeurons sur le plan strictement constitutionnel et institutionnel. Mais la constitution est claire, la constitution est claire. Vous êtes élu président, d'accord, mais le gouvernement c'est l'émanation de l'Assemblée nationale. Et le gouvernement ne peut être que les produits de la force politique qui est majoritaire à l'Assemblée. Et donc, on peut parler concrètement du FCC. Que faire? Est-ce que Félix Tshisekedi, président de la République, devrait gérer le pays tout seul en ignorant le FCC? Et comment pouvait-il le faire? Est-ce que le FCC pouvait aussi se permettre de dire c'est nous qui avons la majorité à l'Assemblée nationale, c'est nous qui allons constituer le gouvernement pour gérer le pays en ignorant le président de la République? Comment pouvait-il aussi le faire? Donc la question c'était entre la coalition et la cohabitation. Sur le plan purement juridique, laissez-moi vous avouer qu'un pays comme le nôtre, ne faisons pas la bêtise de verser dans la cohabitation. D'abord, c'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Parce que nous sommes dans un régime semi-présidentiel, un régime de collaboration. Donc, il y a des choses que le président ne peut pas faire sans associer le gouvernement. Il y a aussi des choses que le gouvernement ne peut pas faire en l'absence du président de la République, sans que le président de la République ne dise mot. Donc, la Constitution elle-même nous impose
la coalition. Ce qui fait que le président de la République, Félix Tshisekedi, devrait s'aligner effectivement sur la voie de la coalition. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. D'ailleurs, si on veut une gouvernance apaisée pour l'intérêt supérieur de la nation, on ne peut qu'emprunter cette voie-là. Malgré les turbulences qu'il y a, malgré la mauvaise foi de personnes qui nous accompagnent, malgré la présence de nos alliés de façade, donc on est obligé d'évoluer sur la voie de la coalition. Mais dans tous les cas, quand j'essaye de faire moi-même une évaluation, je trouve que dans tous les cas, si nous allons sur la voie de la cohabitation, je crois que ça profiterait beaucoup plus à l'institution présidente de la République qu'aux autres institutions. Ça, j'assume. Et s'il y a un débat spécifique là-dessus, je pourrais le démontrer. Alors, c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés sur notre chemin avec le premier allié, qui était un allié d'abord électoral, c'est l'UNC, qui après la débâcle de Genève, nous avons accepté de nous mettre ensemble et d'évoluer jusqu'à la victoire. Mais quand vous prenez l'UDPS et l'INC, ils n'ont pas toujours la majorité à l'Assemblée nationale. Il y a à peu près 48 députés. Quand vous faites, je crois, non, ça doit être 52, quelque chose comme ça. L'UDPS est 32 députés, plus l'INC une dizaine. Donc, on n'a pas toujours la majorité parce que l'Assemblée nationale, c'est 500 députés. Le FCC s'était déjà organisé quand on a proclamé Félix Tshisekedi président. Comme ce sont eux qui avaient entre les mains la marmite électorale, ils se sont organisés de la manière que nous connaissons et ils se sont accaparés de l'Assemblée nationale et des assemblées provinciales. Ce qui fait que l'UDPS, l'UNC ou les CASH étaient contraints d'accepter de gérer les pays avec les FCC pour éviter les blocages, éviter les chaos. Alors, c'est comme ça qu'on est allé dans cette coalition de façade entre les FCC et les CASH. Et politiquement, le président de la République, Félix Tshisekedi, se trouve actuellement devant 5 fronts qu'il doit affronter. Le premier front, c'est d'abord son premier allié, c'est l'UNC. Vous savez que l'UNC, c'est un parti politique. C'est une organisation politique qui a des objectifs politiques. La conquête aussi du pouvoir et l'exercer éventuellement dans l'avenir et qui est avec nous comme alliés effectivement et ça ne les empêche pas d'avoir leur propre agenda et qui peut être aussi à l'encontre du nôtre. Mais malheureusement, lorsqu'on est dans les affaires publiques, lorsqu'on doit gérer ou présider à la destinée d'un peuple, on confond la politique et la gestion. Et ça crée un peu de problèmes. Alors, le deuxième front, c'est vous avez les FCC qui nous causent beaucoup plus de problèmes sur le terrain. Donc, à chaque pas, lorsque les FCC trouvent que la situation lui échappe, ça crée toujours des problèmes. Ce qui justifie des tensions récurrentes. On va y revenir. Le troisième front, vous avez l'opposition qui s'est constitué sous les labels de la Mouka, qui était aussi une organisation électorale. Mais malheureusement, on en parlera avec les dernières déclarations de Fayoulou. Je vous dirai ce que moi j'en pense par rapport à l'opposition. Vous pouvez contacter tous les plus grands juristes du monde. Les plus sérieux vous diront que la démocratie ne rime pas nécessairement avec l'opposition. La démocratie, c'est les jeux entre la majorité et la minorité. Donc, s'il n'y a pas d'opposition, on ne va pas conclure qu'il n'y a pas de démocratie. Je ne dis pas qu'on doit fermer la porte à l'opposition, mais je voulais vous amener à un constat que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore de l'opposition chez nous. Et donc, il n'y a pas de problème s'il n'y en a pas. Et je vais le démontrer pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas d'opposition chez nous. Le quatrième front, c'est
tous les autres membres du parti qui ont longtemps lutté dans l'UDPS, beaucoup d'espoir, ils ont été au front dans les marches, dans les revendications. Aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir. Il y en a ça et là qui se plaignent qu'on n'a pas d'emploi, on ne se retrouve pas. Mais il faudrait qu'aujourd'hui, l'on comprenne dans quelles conditions l'UDPS est en train de gérer ses pouvoirs, quelles sont les marges de manœuvre que dispose actuellement l'UDPS qui permet à ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas rêver que par un coup de baguette magique, que tous les chômeurs, pas seulement du pays, mais même du parti, soient immédiatement engagés. Ça, c'est la réalité politique sur terre. Des fois, nous rencontrons déjà, je suis découragé depuis qu'on a eu le pouvoir, moi, je ne sais pas me retrouver. Mais mes chers amis, faisons très attention. Nous n'allons pas abandonner notre parti par rapport à ça. Le parti est en train de faire face à de grandes difficultés, d'abord causées par notre plus grand allié, le FCC. Et c'est un peu compliqué, on va y revenir. Alors, mais le dernier front, c'est toute la population en général qui avait placé toute la confiance dans les combats de l'UDPS, aujourd'hui l'UDPS au pouvoir, dans les conditions que nous connaissons, c'est-à-dire nous avons la présidence, mais on n'a pas la majorité aux assemblées, et donc on n'a pas assez de marge de manœuvre. Mais ce qu'il y a de positif, c'est quoi? C'est qu'au moins, dans les combats qui ont été menés jusqu'ici, un grand pas a été franchi. Est-ce que nous pouvons quand même considérer cela, que c'est un grand pas, essayer de les capitaliser pour voir maintenant comment nous pouvons les conserver pour finalement nous projeter dans l'avenir et obtenir finalement ce qui nous manque ou ce qui nous reste pour finalement lancer le pays sur une bonne voie. Parce que quand on n'a pas la totalité du pouvoir, ça sera toujours compliqué. Moi, je peux même vous avouer que, en tout cas, ce qui me concerne, je n'attends pas du président Félix Tshisekedi qu'il fasse de la République démocratique du Congo, en tout cas pendant son quinquennat ou pendant ses deux mandats, qu'il fasse de la RDC comme la ville de New York. Moi, je ne rêve pas ça. Moi, je cherche. J'imagine que ça sera peut-être le sentiment de tous les autres ici, que le président Félix nous aide d'abord à placer les fondations d'un État. Qu'il fasse d'abord de la RDC un État, deuxièmement un État de droit, et le reste, ça viendra après, et il aura fait un grand travail. Parce que j'ai toujours dit, même aux amis, même dans les réflexions, les échanges, que le plus grand secteur chez nous, en République démocratique du Congo, les secteurs prioritaires, quoique 32 ans de Mobutu, 18 ans de la dynastie Kabila, le pays a été meurtri, il ne peut pas, au moment où le président passait les flambeaux avec le président honoraire Joseph Kabila, notre pays n'était pas comparable même à la France après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je n'attends pas un miracle de lui parce qu'on lui demande finalement tout. Il n'y a pas de route, il n'y a pas ceci, mais il y a 32 ans on n'a pas vu ça, 18 ans on n'a pas vu ça, mais dans une année on exige à ce que l'on voie tout ça. En tout cas, sauf mauvaise foi, et je crois que nous ne pouvons pas rêver tout cela. Par un coup de baguette magique, ça demande du travail, ça demande de l'accompagnement. Aujourd'hui au Congo, je vous l'ai dit, c'est ma réflexion. Au-delà d'être acteur politique, je suis professeur, j'ai réfléchi. Aujourd'hui au Congo, ce que vous entendez, les CACH, les FCC, les Lamouka, ce sont des logos. Aujourd'hui au Congo, il n'y a que deux camps. Les camps de ceux qui veulent les changements et les camps de ceux qui sont contre les changements. Et tout dépend de la position que X ou Y occupe. Quand vous sentez que ça vous arrange, c'est désordre, alors vous plaidez, vous vous battez pour les statu quo. Mais quand vous sentez que ça ne vous arrange pas, alors vous parlez du changement. Beaucoup parlent du changement dans la bouche, mais ils n'y croient pas. Mais quand vous les soumettez aux épreuves qu'exigent finalement ces changements-là, alors ils vont crier dans tous les sens, c'est de la dictature, c'est de la dictature. Alors, ça c'était peut-être le tableau général de la scène politique actuellement. C'est là que je vous disais qu'il n'y a pas d'opposition. Quand vous suivez rien que les déclarations, vous sentez que
Fayoulou, je vais y revenir, n'est pas opposant, mais c'est un mécontent. Son mécontentement est issu de l'échec des élections qu'il y a eu. Je ne sais pas qui lui avait soufflé à l'oreille que c'est lui qui était élu. Donc c'est celui-là qui a créé tous ces problèmes. C'est celui qui a créé tous les problèmes ici avec Fayoulou. Il a suscité en lui les émois. Et aujourd'hui, on a des problèmes pour maîtriser ça. Alors, du mécontentement à l'opposition, je crois que ce n'est pas une case à côté, parce que l'opposition implique une vision. D'abord, un engagement clair, une vision et même une conviction. La vision doit être claire, elle doit être constante, elle doit être cohérente. Ça, c'est quelque chose de très important. Parce que sinon, on va faire... on va faire feu de tout bois, comme je vous l'ai dit. À chaque fois que quelque chose bouge, on fait une déclaration sans se référer à ce qu'on a dit précédemment. Donc, on est là avec des idées entrecoupées, tout ça éparpillé. On se demande, mais finalement, on est où? Donc, une opposition doit porter un autre programme de société alternatif et crédible. Depuis que le président Félix est passé au pouvoir, quand vous suivez les débats politiques, donc aussitôt il vient de prêter serment, les gens commencent les débats sur 2023. Mais est-ce qu'il y a moyen de travailler d'abord? Et ce qui engage les débats sur 2023 empêche même que quelque chose se fasse au pays pour le bénéfice des grandes masses. Donc on dirait que nous n'avons qu'une seule activité au pays, c'est la politique. Évidemment parce que toutes les autres fonctions à haute utilité sociale ont été détruites pendant les 32 plus 18. Et on a privilégié la politique parce que la politique est devenue un moyen de s'enrichir vite au détriment des autres. La politique est devenue un métier. C'est comme ça que vous avez suivi dans un procès quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que vous faites dans la vie. Il vous dit ministre honoraire. Depuis quand ministre honoraire, c'est devenu une fonction. Donc c'est pour dire qu'il y a des gens qui n'ont rien d'autre à faire que la politique. Alors, quand quelqu'un n'a rien d'autre à faire que la politique, il est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il va s'accrocher. Il va utiliser tous les moyens, démocraticide et même homicide, pour se maintenir. C'est comme ça que vous verrez quelqu'un qui a géré, et puis à la fin du mandat, on vous dit, non, il est encore jeune, vous voulez qu'il parte, il fera quoi? Mais est-ce qu'il est le seul jeune dans le pays, finalement? Donc, il faut attendre qu'il meure pour que les autres jeunes le remplacent. C'est comme ça que moi, j'aime pas entendre que la jeunesse, c'est l'avenir du Congo, la jeunesse, c'est demain. Non, la jeunesse, c'est aujourd'hui. Parce que c'est la jeunesse qui porte aujourd'hui, n'est-ce pas, tous les espoirs et les pilotes pour un avenir meilleur de demain. Alors, vous êtes lundi, on vous dit la jeunesse, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Demain, c'est mardi. Mardi, on vous dit non, c'est demain. C'est-à-dire, j'ai dit, finalement, on n'y arrivera pas. Et vous allez vous retrouver vieux. Sans avoir rien fait. C'est comme ça qu'on nous vole tous les rêves au pays et on continue à rêver même au-delà du sommeil. Alors, en ce qui concerne les questions qui ont été posées, vous avez tous suivi. Au pays, actuellement, il y a un débat sur la déclaration de M. Fayoulou Martin qui a déclaré en appelant à la destitution du président Félix Tshisekedi, au motif qu'il aurait violé la Constitution par la nomination de deux juges constitutionnels, Oubulu et Kilomba. Il s'est aujourd'hui transformé en avocat de ces deux juges-là, qui, à un moment donné, avaient fait l'objet d'une prise à partie par lui, au motif qu'ils avaient volé sa victoire. Ces mêmes juges-là, hier corrompus, des voleurs, des juges de Kabila, ils ont volé sa victoire qu'ils ont donnée à Tshisekedi. Mais curieusement, d'une extrémité à l'autre sans transition, ils se retrouvent dans le collectif des avocats de ces deux magistrats. Alors, quand est-ce que ces deux magistrats se sont convertis pour que finalement ils bénéficient du soutien de Fayoulou? Quelqu'un a posé la question ici, laissez-moi vous dire que non, la Constitution n'a pas été violée. Ce qui se passe, ce sont des tensions, des agitations politiciennes. C'est vrai que les juges constitutionnels ont un mandat et la loi organique
sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle pose les principes comment ces mandats peuvent prendre fin. Mais ces mêmes juges constitutionnels sont soumis à certaines incompatibilités, notamment ils ne peuvent pas être nommés à d'autres emplois publics, ainsi de suite. Mais n'oublions pas que les juges Oubulu et Kilomba sont d'abord magistrats de carrière avant d'être mandatés à la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire, au moment où ils étaient nommés à la Cour constitutionnelle, ils étaient quand même quelque part en train de suivre leur carrière dans la magistrature. Alors, mais quand il y a des promotions au niveau de la magistrature, au niveau de la carrière des magistrats, malgré qu'ils ont un mandat à la Cour constitutionnelle, ils sont d'abord juges de carrière et ça n'empêche pas qu'ils soient promus dans leur carrière. D'abord, c'est un bénéfice. Alors, je donne un exemple. Si les deux juges étaient à la Cour d'appel et que tout leur temps qu'ils passent à la Cour constitutionnelle, une fois que le mandat prend fin, ils rentrent dans la carrière, ils trouvent leurs collègues déjà à la Cour de cassation et ils vont rester à la Cour d'appel. Ce n'est pas mauvais qu'ils connaissent la promotion en même temps que les autres magistrats qui ont la même ancienneté que ça, en nommant les deux magistrats à la Cour de cassation, le président de la République n'a pas violé la Constitution, le président de la République n'a pas mis fin au mandat de ces deux juges. Mais seulement, la loi organique sur la Cour constitutionnelle prévoit que si un juge de la Cour constitutionnelle se trouve dans une situation d'incompatibilité, comme le cas de leur nomination à la Cour de cassation, ils ont 8 jours pour y renoncer. S'ils ne renoncent pas dans les 8 jours, donc ils sont présumés avoir acquiescé à cette nomination-là, donc ils auront mis fin eux-mêmes à leur mandat et on considère cela comme une démission d'office. Et c'est ce qui s'est passé. Donc les choses se sont jouées automatiquement. D'abord, d'après les informations que nous avons, les juges-là ont été consultés. Ils ont accepté. Ils ont été nommés à la Cour de cassation. 8 jours, ils n'ont pas protesté, ils n'ont pas renoncé. On applique la loi, donc ils ont acquiescé. Plus encore, ces deux juges, avec les autres collègues qui ont été nommés par le chef de l'État, sont allés dans une cabine d'essayage avec les autres, essayer même les toges des magistrats de la Cour de cassation. Comme on a pris les mesures, on a cousu, on les a donné. Ils ont même essayé. Il y a un autre qui a dit non, ça c'est trop grand, et alors on a arrangé tout ça. Et puis, ils ont même assisté à des séances de simulation. Comment on va se présenter devant le président de la République? Comment? Qu'est-ce qu'on va dire pour prêter serment? Ils ont fait même des simulations. Mais curieusement, les jours de la prestation de serment, ils posent les problèmes. Et nous, notre mandat court encore. Vous saviez que votre mandat court encore. Vous avez 8 jours, vous n'avez pas renoncé. Vous avez accepté de prendre les robes. Vous avez été notifié. Vous avez fait des séances de simulation. Mais qu'est-ce qui est arrivé? En réalité, qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé avec ce juge, c'est ce qui est arrivé avec le président de la Cour constitutionnelle, Luamba. C'est politique. Luamba, le président Luamba, on m'en a dit qu'il est avec vous ici en Belgique. Vous savez le localiser ici, dans l'État et dans l'espace. Mais nous savons qu'il est avec vous ici. Il semble qu'il a subi trop de pression parce que finalement, il doit agir au doigt et à l'œil. Il est où maintenant? Luamba n'a jamais réagi, il ne s'est jamais manifesté et Théodore Ngoï ne parle plus de lui. Et donc, c'est vrai que les messieurs avaient démissionné et il est parti. Alors, ces deux juges, je crois qu'on réussit encore la pression pour dire, mais comment vous avez accepté de quitter la Cour constitutionnelle, vous partez, mais là-bas, on n'aura personne. Je ne sais pas ce qui s'est passé, où ils ont eu des présents ou quoi. Alors, ils ont finalement rétro-pédalé pour dire non, non, notre mandat court encore. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est une question politique. Et le président de la République n'a pas violé la Constitution. Et même ceux qui appellent à sa destitution, on appelle l'Assemblée nationale et le Sénat se réunir en congrès pour destituer les chefs de l'État. Retenez-le. Vous avez l'avantage que l'élu qui vous parle est également juriste. Je suis docteur en droit et donc je ne raconte pas de bêtises.
dans tous les cas, j'ai le droit de constituer une théorie et la défendre. Mais pour ces cas, la destitution du président de la République n'est pas une procédure parlementaire. Elle est d'abord judiciaire. Donc, soyez rassurés que Félix Tshisekedi finira ses 5 ans et même ses 10 ans sans subir aucune destitution de la part du FCC. Parce que la procédure est judiciaire. Judiciaire, c'est-à-dire que c'est le parquet général près la Cour constitutionnelle qui doit, lorsque il est en possession d'un certain nombre d'informations, se proposer d'ouvrir une information judiciaire à l'encontre du président de la République. D'abord les poursuites. Mais avant même les poursuites, le parquet général doit solliciter, n'est-ce pas, l'autorisation de la des poursuites du président de la République. Alors ça permet maintenant au parquet général, près la Cour constitutionnelle, de commencer les poursuites, c'est-à-dire de lui adresser les invitations, les mandats de comparution, l'entendre, enquêter, ainsi de suite. Si à l'issue de l'enquête, les faits sont établis, il faut la mise en accusation, c'est-à-dire saisir maintenant la Cour constitutionnelle. Le même parquet général doit revenir au Congrès pour solliciter cette fois-ci l'autorisation de la mise en accusation du chef de l'État. Donc ce n'est pas l'Assemblée nationale et le Sénat qui vont se réunir et puis décider que le président est mis en accusation. Non. La procédure est judiciaire. L'indépendance, la séparation des pouvoirs est telle que les poursuites, c'est un acte qui relève même la mise en accusation du pouvoir judiciaire. L'Assemblée nationale ni le Sénat réunis en Congrès ne peuvent pas se mêler. Donc, c'est par ignorance que le président prétendument élu, Martin Fayoulou, appelle à la décision du chef de l'État, mais il était à côté d'un juriste. Alors, il y a un collègue professeur, je ne cite pas son nom, qui dit toujours que tout le monde n'est pas juriste et tous les juristes n'ont pas le même niveau. Voilà. Vous avez un duel entre le ministre Roubaix-Roy de la décentralisation et Gilbert Kankonde de l'intérieur, semble-t-il, pour superviser l'opération du recensement général de la population avec pas par l'ONIP. Il semble dans un conseil des ministres, ça j'ai suivi également, je n'étais plus au pays, que Azarias Roubaix-Roy voudrait superviser. C'est ça avec le FCC. Donc il veut tout contrôler, même quand la loi ne le permet pas. Mais la réponse est simple. N'allez même pas dire que voilà, le gouvernement fonctionne, il n'y a pas un texte qui organise de cette opération-là. Donc vous comprenez que le problème n'est pas juridique, il est politique. Et là, ça ne peut pas passer. Vous avez suivi les débats sur les lois Sakata et Minaku. On m'a posé la question, quelle est la procédure? Bon, l'initiative de la loi appartient concurremment au gouvernement ou bien à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Si c'est le gouvernement qui prend l'initiative d'une loi, on appelle ça projet de loi et ça vient. Si c'est l'Assemblée nationale ou le Sénat, c'est l'initiative d'un ou de deux ou de plusieurs députés qui vont faire un texte qu'on appelle proposition de loi, parce que ça vient d'un ou de deux ou trois députés. Mais quand l'initiative vient d'un député, la Constitution exige à ce que le texte soit d'abord envoyé au gouvernement dans un délai qui a un délai de 15 jours pour faire parvenir ses observations avant que le texte ne soit soumis au débat à l'Assemblée nationale. Comme l'a relevé quelqu'un ici, il y a des lois qui ont été déjà déposées. Depuis, moi je vous parle, j'ai déjà déposé deux propositions de loi. Une proposition sur la cybersécurité, la cybercriminalité. Vous voyez tout ce qui se passe sur les cyberespaces. Ce n'est pas couvert. Notre code pénal, notre code de procédure pénale est limité en termes d'incrimination. Des peines et même des procédures à suivre sur le cyberespace. Alors, j'ai fait une telle proposition qui n'est pas encore alignée. La deuxième proposition de loi, c'était sur la protection des données à caractère personnel.
Des fois, vous naviguez, vous voulez ouvrir un compte, on vous demande des éléments, vous donnez nom, parents, ainsi de suite, votre centre d'intérêt. Des fois, quand vous faites trop de recherches, je connais mon assistant parlementaire qui faisait un peu de recherches dans un domaine de données, mais quelques jours après, il commence à avoir des pubs qui venaient dans le sens de la recherche que lui faisait. Donc, les grands géants, que je ne vais pas citer les noms ici, que vous voyez là, des moteurs de recherche, et ils prennent les données personnelles des utilisateurs, ils vendent aussi à des entreprises qui les utilisent aussi. J'ai fait cette deuxième proposition sur la protection des données à caractère personnel. Ne vous en faites pas, je suis allé toucher aux grands intérêts, surtout des sociétés de télécommunications qui ne voudront pas. Aujourd'hui, on peut protéger l'espace territorial chez nous, mais le cyberespace n'est pas protégé. Vous voyez seulement les frontières terrestres. Mais nos frontières virtuelles, là, il faut aussi les protéger. À telle enseigne que les hackers ici peuvent pénétrer même dans un système ou dans un logiciel, même de la banque centrale, voler des données, détourner de l'argent, ainsi de suite. Beaucoup de choses peuvent se passer. Mais on trouve que ce n'est pas important. Donc, ça a été déposé il y a longtemps. Alors, on a été surpris qu'à une séance-là, d'abord ça n'a pas été aligné à l'ordre du jour, qu'on nous annoncera qu'on va examiner les propositions de loi sur la réforme judiciaire. Bon, déjà, moi j'avais un intérêt particulier parce que c'est mon domaine de recherche en droit, le droit privé et judiciaire. Les judiciaires, ça m'intéresse. Alors je voulais voir dans quel domaine ça allait se passer. Et les textes n'avaient pas circulé parce que les règlements exigent que les textes soient distribués, je crois, 48 heures avant les plénières. Mais les textes n'avaient pas circulé. Moi, j'ai demandé à mon assistant d'aller me trouver les textes pendant que le débat était engagé. Je l'ai pris, j'ai lu vraiment superficiellement ces trois propositions de loi. Une proposition qui modifie les statuts des magistrats. Une deuxième proposition qui modifie la loi sur l'organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Et une troisième proposition sur les conseils supérieurs de la magistrature. Voilà un paquet de lois que le collègue Minako Sakata nous avait présenté à l'Assemblée et s'est passé directement dans les débats en plénière. Alors, donc, un coup d'œil jeté, 5 minutes, j'ai vite remarqué qu'il y avait un danger. Donc, l'objectif, c'était l'inféodation, n'est-ce pas, du pouvoir judiciaire ou la caporalisation des magistrats des parquets. Parce que le problème, c'est lequel? Nous parlons de l'état des droits. L'état des droits suppose une justice indépendante. Mais les gens qui ont beaucoup de cadavres dans leur placard, en tout cas, pour eux, c'est un cauchemar, l'état des droits. C'est un problème. Vous laissez les magistrats indépendants, mais tout le monde va se retrouver en prison. Ou finalement, comme il y aura tellement de prisonniers, ce qu'on va faire, on va prendre tous les citoyens honnêtes, on les met au CPRK, et tous les autres, on les laisse ici. Ça sera des prisonniers dehors parce qu'ils sont tellement nombreux, Makala n'a pas assez d'espace pour les accueillir. Alors, maintenant, il y a des problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire, comme on a la majorité, on a le ministère de la Justice, pour empêcher, bloquer, donner au ministère de la Justice le pouvoir d'injonction positive sur un magistrat pour engager des poursuites, et même d'injonction négative, exigeant un magistrat d'arrêter des poursuites, par exemple, si on instruit ou un magistrat se propose de poursuivre et instruire sur le dossier Bukangalonzo qui a englouti des millions de dollars au pays, au grand étonnement de tous, le ministre de la Justice peut donner injonction négative au magistrat d'arrêter l'instruction. Et s'il n'arrête pas, il a le pouvoir d'ordonner à ce qu'un autre magistrat récupère le dossier, poursuivre avec l'instruction. Et ces magistrats-là qui n'ont pas obtempéré, les ministres de la Justice peuvent même les sanctionner avant les conseils supérieurs de la magistrature. Et pourtant, dans la Constitution, les pouvoirs disciplinaires est dévolu au conseil supérieur de la magistrature. On vous dit que dans leur proposition de loi, je le prends comme ça, pour gagner du temps, que les budgets de la magistrature, la Constitution voudrait que ça soit élaboré par les conseils supérieurs de la magistrature et présenté au gouvernement. Mais dans les propositions, on vous dit que désormais, les budgets doivent être élaborés par les conseils supérieurs de la magistrature en concertation avec le ministre de la Justice. Mais avant de le faire, modifier d'abord la Constitution. Ça, c'est cela qui a eu violation de la Constitution.
Ils amènent la théorie des nominations des magistrats à titre provisoire, ce qui n'est pas prévu par la Constitution, parce que les magistrats sont nommés par le président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Mais ils vous disent, les ministres de la Justice recrutent un homme à titre provisoire, et 6 mois après une période probatoire, ils envoient les listes chez le président de la République pour nomination. Un peu comme pour dire, le président aura une compétence liée, parce qu'il ne peut que nommer les magistrats que le FCC lui envoie. Et pourtant, il a aussi le pouvoir d'appréciation. Alors, on a dit non, ça ne peut pas passer. Nous voulons tous de l'état de droit. En tout cas, pour tout citoyen honnête, moi je ne vois pas ce que, en quoi je souffrirais avec un état de droit. Même si je suis député, mais on doit être d'abord des modèles, ça c'est vrai. Et si je sais que je marche correctement, qu'il y ait état de droit ou pas, où est le problème? Moi, je ne peux pas fuir le pays parce qu'on est en train de faire de l'RDC un état de droit. Vous voyez que tous ceux qui parlent de l'état de droit ont peur. Et la grande peur est venue quand ils ont vu que le président de la République est resté loin du dossier de son directeur de cabinet. C'est-à-dire, il ne s'est pas mêlé, ni positivement, ni négativement. Il a laissé les magistrats les mains libres d'ouvrir des enquêtes, des instructions à l'encontre du directeur de cabinet. Vous avez suivi qu'il a été même arrêté, il a été même condamné. Tout ce qu'on peut reprocher au président de la République, c'est d'avoir laissé les mains libres aux magistrats, d'avoir rendu les magistrats indépendants. Mais c'est ça l'état de droit. Mais c'est ça l'état de droit. Alors quand les gens voient, mais il n'intervient même pas pour son directeur de cabinet. Donc si c'est un bois vert qu'on met au feu, mais nous, les bois secs, qu'est-ce qui va se passer? Alors, l'objectif, c'est essayer de bloquer la machine au niveau du ministre de la Justice. C'est comme ça que vous voyez, ces lois n'ont même pas été envoyées au gouvernement pour recueillir les avis et observations dans les délais de 15 jours. C'est passé directement en discussion. Et quand on a soulevé cela, vous avez suivi le ministre de la Justice est allé faire un avis frauduleux, il l'a envoyé à l'Assemblée nationale pour justifier qu'il y ait avis, alors qu'il y avait déjà la lettre du Premier ministre qui promettait à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale que les observations du gouvernement viendraient dans les délais. Les délais n'étaient pas encore expirés, mais on avait aligné déjà ces lois-là. Et ça lui a coûté son poste. Quand on lui reproche, il lui parle non, Yemei Alobati. Bon. Déjà, on s'est dit, bon, Yemei, il a la tête du FCC, c'est un allié, mais si c'est le Yemei, est-ce qu'il a cité le Yemei, il sait vraiment qu'on l'a cité, est-ce qu'il en connaît quelque chose ou pas? Voilà ce qui s'est passé au niveau des lois Sakate Minaku. Nous avons dénoncé cela. Le pays doit quand même avancer à un moment donné. On a trop tergiversé 60 ans après l'indépendance. Un adulte de 60 ans, c'est un grand responsable. Si le Congo était un être humain, je crois qu'à 60 ans, je crois qu'il a l'âge de la maturité, à l'âge de la sagesse. Donc on ne peut pas être à 60 ans, mais continuer à se comporter comme un mineur incapable. C'est compliqué. Il y a des gens qui n'ont pas pitié pour les pays. Ils n'ont pas pitié pour les pays. Alors, voilà comment on a combattu ces lois-là. D'abord à l'Assemblée nationale, et finalement, les débats étaient démocratisés. Et toutes les tendances politiques ont récupéré, la société civile, il y a eu des marches au pays, tout ça. Et on a dit, mais vous êtes dans la coalition, je me rappelle d'ailleurs un collègue professeur qui était trop dur là. Quand on marchait, il dit, mais vous êtes dans les mariages avec les FCC. Mais le mariage avec les FCC ne veut pas dire qu'on doit violer la Constitution. Vous vous êtes trompé alors d'époux ou d'épouse. C'est pas comme ça. Alors on dénonce quand ça ne marche pas. Donc la coalition n'est pas une association de malfaiteurs. Donc en tout cas, c'est pas le cas. Et finalement, il y a eu un retrait poli. On vous a dit non, on met d'abord ça de côté, on va revenir plus tard. Donc c'est un retrait poli. Je crois que les collègues ne reviendraient plus avec ces propositions. Et ça serait de la provocation. Alors, il y a la question de la nomination dans l'armée, la magistrature. Quand le président a nommé, on a dit
il a encore violé la constitution. Le premier ministre n'a pas contresigné. Tout ça, c'est pour accréditer la preuve, la thèse qu'il n'a pas de pouvoir, il peut pas. Mais, chers frères et sœurs, il y a des domaines au pays, dans tous les pays modernes, les domaines comme la diplomatie, l'armée, la magistrature, ce sont des domaines régaliens. On ne peut pas imaginer qu'il y ait concertation entre FCC et CACH pour commencer à se partager les magistrats de la République, pour se partager les officiers, qu'on dise, bon, on a 48 officiers, FCC, vous prenez 30, CACH, nous prenons 20, et puis on commence à partager les noms. Non, moi je prends celui-ci, vous prenez celui-là, et on va dans la magistrature, il y a des juridictions du FCC, les juridictions de CACH, il y a les parquets du FCC, les parquets de CACH, mais on est dans quel pays? Ça, c'est un domaine où les chefs de l'État nomment sans consulter personne, parce que c'est par rapport aux objectifs qu'il s'est fixé au pays. Et c'est comme ça que ça devrait se passer, c'est comme ça que ça s'est fait. On a dit qu'il a violé la Constitution parce que le Premier ministre n'a pas contresigné. Mais la Constitution est claire. En l'absence du Premier ministre, c'est le ministre le plus pressé qui contresigne. Et le Premier ministre qui est habitué maintenant, quand il y a des questions comme ça, de correspondre avec le chef de l'État par des communiqués, alors qu'il connaît son bureau, il ne peut pas le voir. Il vous dit, non, moi j'avais délégué à l'intérimaire. Un certain nombre de pouvoirs, c'était limité. Alors, il confond l'intérim et la délégation. La délégation ne suppose pas nécessairement que les titulaires se soient déplacés, non. Il peut même être là, mais il délègue. Mais l'intérim, c'est en cas d'absence. Mais la Constitution qui a dit que c'est le ministre le plus pressant qui remplace le Premier ministre n'a pas limité ses pouvoirs. Alors, vous allez limiter ça par un petit communiqué ou une petite lettre. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Et donc, les ordonnances que les chefs de l'État avaient prises étaient régulières. Ils n'avaient pas violé la Constitution. La preuve est que tous ceux qui ont été nommés aujourd'hui, ils ont été investis et puis ils travaillent calmement. Et la Constitution n'a pas été violée. Le problème, encore une fois, il est politique. Vous avez également le dossier Malonda. Vous avez suivi qu'au pays, ça avait enflammé la toile. L'Assemblée nationale avait entériné Ronsard Malonda comme futur président de la CENI. Alors, nous nous sommes posé d'abord la question. Nous venons définir un processus électoral. Et à la fin du processus, il y a un rapport qui est déposé par les bureaux de la CENI. Il faut commencer par examiner les rapports qui ont été présentés pour voir qu'est-ce qui avait marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quelles sont les difficultés connues par la CENI. En tout cas, en discuter en plénière et l'adopter avant de passer à l'autre étape. Et même avant de passer à l'autre étape, nous pouvons déjà examiner quelles ont été les faiblesses du processus finissant. Comment on peut l'améliorer? Où est-ce que ça n'a pas marché? Pour éviter les élections chaotiques, qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer le processus et projeter les réformes nécessaires au niveau électoral? Et puis revenir maintenant, voir qui seraient les animateurs. On ne peut pas placer la charrue avant les bœufs. On n'a pas examiné les rapports présentés par les bureaux de la CENI, parce que tous les membres sont faits mandat. Il n'y a pas eu encore de réformes. Mais on nous présente déjà quelqu'un pour dire qu'on a entériné le président de la CENI. Et ça s'est passé dans la vitesse de l'aiguille d'une montre. Une vitesse d'éclair. Mais d'abord, au niveau de la CENI, la loi de 2013 prévoit qu'il y ait 13 délégués, 6 de la majorité, 4 de l'opposition et 3 de la société civile. Et la loi sur la CENI précise que le président de la CENI sortira des 3 délégués de la société civile. Donc le président de la CENI vient de la société civile. Alors, la composante société civile devrait désigner ces 3 délégués qui viennent des confessions religieuses, des organisations de défense des droits de la femme et des ONG qui sont spécialisées dans l'éducation civique et électorale. 3.
Il faudrait attendre que toute la composante société civile, dans toutes ces trois sous-composantes, présente les trois candidats pour qu'ils soient entérinés. Et l'entérinement, ce n'est pas comme ça s'était passé. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale prévoit qu'en ce qui concerne les délibérations sur les personnes, les votes se passent, n'est-ce pas, par bulletin secret. Donc on devrait passer et voter pour délibérer. Ce n'est pas comme ça. Non, il est là et puis on acclame, on a voté, on a entériné. Non. Ça ne pouvait pas se passer comme ça. On est allé trop vite et c'était suspect. Et là, on a dit non, ça ne peut pas passer comme ça. Mais quand vous prenez Ronsard lui-même, bon, moi, je n'ai rien contre lui. Il semble qu'il est catholique. Il est connu comme catholique. Mais présenté comme candidat des kimbanguistes. Mais finalement, renié par les kimbanguistes eux-mêmes. Finalement, présenté par personne. Mais élu quand même, et soutenu par une plateforme politique, pourtant candidat de la société civile. Donc c'est une équation à plusieurs inconnus. Et ça ne pouvait que poser problème. C'est comme ça que vous avez vu des tensions au pays. On a dit non, on ne peut pas aller comme ça, on doit faire les choses calmement. Nous devons d'abord faire les réformes nécessaires, examiner les rapports, et faire les choses à la lumière du jour. C'est comme ça qu'il y a eu tous ces problèmes-là. Et même le chef de l'État a dit, bon, nous devons quand même, il faut qu'il y ait consensus sur la question, mais avant tout, avant de parler des animateurs, parlons d'abord des structures qu'ils vont animer, faire des réformes nécessaires pour que les élections prochaines soient des bonnes élections. Deux points pour finir. Quand on a décrété l'état d'urgence, il y a eu un débat. C'est le Congrès qui autorise. Le président de la République a proclamé, il n'a pas eu l'autorisation du Congrès, il a encore violé la Constitution. Mais, c'est quoi ça? Moi, je vais vous dire la vérité. Notre Constitution de 2006, qu'on appelle toujours la Constitution des belligérants, la suite de l'accord de Sun City, tout ça, et puis on a fait... voyez un peu dans cette configuration-là, 1+4, on va faire une constitution taillée sur mesure pour voir à qui on donne beaucoup de pouvoir, les autres, il faut les contrôler, tout ça. Ça s'est passé comme ça. Et puis, il y a eu beaucoup d'incohérences. Je ne suis pas constitutionniste, mais j'ai le bon sens d'un juriste. Il y a eu contradiction sur ce point-là. Quand vous prenez l'article 85 qui vous dit... Pour décréter ou proclamer l'état d'urgence, le président de la République consulte le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le premier ministre et il proclame l'état d'urgence. Ça, c'est l'article 85. Mais plus tard, quand vous allez à l'article, je crois, 109, on vous dit l'état, pour proclamer l'état d'urgence, il faut l'autorisation du Congrès. Donc, dans la même constitution, deux régimes juridiques. Le régime de la proclamation après concertation et le régime de l'autorisation avant proclamation. Alors, mais face à ces deux options, le chef de l'État devrait trouver une voie parce que Covid frappait, il fallait prendre des mesures, prendre des dispositions et réunir un congrès avec 500 députés plus 108 sénateurs, ça c'est encore... occasionner les raisons de la propagation du virus. Mais là, ça, c'est une autre raison sanitaire. Mais juridiquement, vous avez des régimes comme ça. La faute, ce n'est pas au président de la République, c'est aux rédacteurs, aux belligérants qui ont rédigé cette constitution. Et puis, ça les rattrape aujourd'hui. D'ailleurs, quand c'est parti à la Cour constitutionnelle a dit non, le président n'a pas violé la constitution. Les régimes, c'est la proclamation après concertation. Mais il peut ou pas solliciter l'autorisation du Congrès. Voilà comment la Cour constitutionnelle avait essayé de trancher. Je crois que c'était aussi une patate chaude, parce que c'est quand même une incohérence dans la Constitution. C'est comme ça qu'on a réglé cette question-là. Mais en même temps, c'était politique, parce que le problème, c'est comment contrôler et gérer les chefs de l'État pendant l'état d'urgence. Parce que pendant l'état d'urgence, le président de la République devient comme un dictateur républicain. Parce que l'article 45 de la Constitution dit qu'il prend des mesures. Il peut même dire, bon, telle compagnie, votre aéronef, on l'a réquisitionné. On ferme telle frontière.
Mais on peut même restreindre les libertés des individus. Alors les gens ont eu peur. Non, pendant cet état d'urgence, il peut faire beaucoup de choses. Alors il faut contrôler ça. C'est pourquoi il faut absolument congrès. Alors, ce n'était pas qu'on défendait la Constitution. Non, on défendait des intérêts cachés. Parce qu'on avait une peur bleue. Donc, sur ce point-là, la Constitution n'avait pas été violée. Je voulais finir avec un dossier que j'ai suivi personnellement. Vous avez suivi de loin. C'est le dossier EPST. Je suis élu de Kinshasa, circonscription électorale de Lukunga. Une fois, quelqu'un vient m'aborder, c'est un inspecteur, qui me dit, mais vous êtes élu du peuple, regardez comment on est en train de détruire l'enseignement primaire. Je dis, je n'ai pas des informations, c'est quoi? Mais regardez tout ce que les ministres sont en train de faire. On passe des 48 provinces éducationnelles, il ajoute 10, on est à 58. Avec tout cela implique comme budget, ça pose des problèmes. Pourquoi? Parce que depuis 2006, il était inscrit dans la Constitution que l'enseignement primaire est gratuit et obligatoire. Mais tous ceux qui ont géré le pays depuis 2006, jusqu'au moment où cela a été rendu effectif, ils lisaient cette disposition constitutionnelle, mais ne la mettaient pas en pratique. Mais quelqu'un vient, il dit, cette année déjà, l'enseignement primaire sera gratuit. Les gens ont crié, vous avez suivi les Mouzito qui sont passés pour démontrer qu'ils sont des grands économistes, alors qu'il était Premier ministre, il n'a pas fait la démonstration, que ça ne va pas réussir. Il y a des prophètes de Massa, ça ne va pas réussir. Mais tout est fait pour que la gratuité de l'enseignement échoue. Même quand vous parlez du social du peuple. Mais ça aussi, c'est le social. Mais quand on décrète la gratuité, les parents qui prenaient en charge les enseignants vont maintenant désormais épargner. Ce qu'ils dépensaient là, ils peuvent orienter ça à autre chose. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les ministères commencent avec un service là de sécopé, service de contrôle des payes des enseignants, qui est devenu d'ailleurs inutile parce que la paye s'est faite à la banque. Commence à créer ou à recruter des personnels fictifs dans les bureaux gestionnaires. Et des enseignants fictifs et des personnels fictifs. Comme c'est gratuit, les enseignants sont pris en charge par l'État. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On engage les fictifs sur le listing des payes. On gonfle les listes et l'argent sort, les gens se les partagent. On engage dans une structure, une école de 6 classes. Si il y a 6 classes, ça veut dire qu'il y a 6 enseignants. Mais il peut arriver que 2 enseignants sont décédés, mais en attendant la nomination, au niveau local, ils peuvent s'organiser pour engager d'abord 2 personnes, en attendant qu'ils soient confirmés. Alors, on peut considérer dans cette école-là, il y a 4 enseignants qui sont mécanisés et payés, il y a 2 qu'on appelle les NU, nouvelles unités, qui doivent être prises en charge. Mais comment vous pouvez comprendre dans une école où il y a 6 classes, il y a 4 enseignants mécanisés et payés et 12 NU au lieu de 2. Mais les 10 là viennent d'où? Ce sont des noms qu'on met sur les listings pour recevoir l'argent, même si ça va à l'intérieur des gens qui s'organisent pour suivre ça et ramener ça à Kinshasa et à qui des droits. Et ça se passe comme ça. On crée des écoles fictives. On vous dit c'est une école sur tel avenir, tel numéro, et quand vous descendez, il n'y a pas d'école. Pourquoi on crée? Parce que dans cette école fictive-là, il y a des enseignants fictifs, il y a les frais de fonctionnement qu'on alloue à ces écoles-là, mais qui sont détournés. Certaines écoles privées sont alignées sur les listes des écoles publiques pour être prises en charge par l'État. Certaines écoles conventionnées, alignées sur les listes des écoles privées pour être prises en charge par l'État, et on paie même les frais de fonctionnement. Et quelle est la conséquence? Ça alourdit les budgets du secteur et du coup la réalisation de ces programmes phares du chef de l'État devient impossible. Et on peut voir, vous dire, il a échoué. Alors quand j'ai commencé ça, j'ai vu le ministre, il n'a pas suivi. J'ai fait une question écrite à l'Assemblée, on ne lui a pas adressé. J'ai dit, dans tous les cas, à part d'être député, je suis avocat. Je sais ce qu'il faut faire.
je suis allé mener mon combat dehors. Et curieusement, chez nous au Congo, il arrive des fois que nous-mêmes nous sommes complices de notre propre malheur. Dans la classification victimologique des victimes, en criminologie, on parle de criminels victimes. Donc, moi je dénonce, il y a certains qui sont dans les secteurs qui passent des syndicats parce qu'on leur a donné l'argent, ils passent pour vilipender mon action, ma démarche. Il y a même certains Congolais, nos frères, qui n'ont rien à voir, qui n'ont aucun rapport avec l'enseignement, mais qui ont des numéros matricules. Allez à l'intérieur, à Boende, on nous signale, il y a même des mamans maraîchères au marché, une maman qui fait son petit commerce, mais avec les numéros matricules. À la fin du mois, elle va toucher les salaires comme enseignante. Pourquoi? Parce qu'elle avait battu campagne d'un député ou de quelqu'un qui est devenu ministre. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est pour les récompenser, mais ça alourdit les budgets et la réalisation du programme devient difficile. Quelqu'un me disait même qu'avec les bruits que tu fais là, la Banque mondiale a promis 1 milliard. La Banque mondiale, tu vas faire fuir la Banque mondiale. Je lui ai dit, mais faites attention, la Banque mondiale ne va pas débarquer à l'aéroport d'Njili avec dans sa mallette 1 milliard pour venir vous les déposer et partir. Non. La banque, la première des choses que la Banque mondiale va faire, c'est vous demander les données statistiques chiffrées. On va vous demander combien d'écoles publiques vous avez, combien sont construites, combien ont des infrastructures, combien d'enseignants vous avez, à quel âge, combien sont morts, combien des hommes, combien des femmes. C'est ça. Mais ces données-là, vous ne les avez pas. Vous pensez que la Banque mondiale, d'ailleurs, sans renoncer à ce que la Banque mondiale va donner, si nous assainissons seulement les secteurs, nous pouvons prendre nous-mêmes en charge la gratuité de l'enseignement et la pérenniser. Sans aucun problème. Mais tous les problèmes ici, c'est tous les députés des partis politiques, ils vont recruter leurs militants. Comme c'est devenu gratuit, c'est l'État qui prend en charge. Allez, entrez, on met dans les listings. J'ai même déposé une plainte au parquet général près de la Cour de cassation pour que les parquets instruisent un peu ce secteur-là de s'écoper. On détourne beaucoup d'argent. Vous trouvez quelqu'un qui fait les maléwa chez lui à la maison, mais qui a des numéros matricules. Qui peut aller toucher à Boende, il peut aller toucher dans une... Donc, c'est comme ça que ça se passe. Quelqu'un est venu même me dire, mais pourquoi tu fais des bruits? Donne aussi la liste même de 200 personnes, des gens qui ont bâti ta campagne, toi. J'ai dit, mais non. Moi, l'état de droit là, qui est prôné là, j'y crois. Parce que moi-même, j'ai fait les droits par conviction, parce que j'avais un objectif. C'était d'abord de lutter contre l'injustice. Je ne me suis pas réveillé le matin, je vais à la faculté de droit parce que j'ai vu un aîné, lui. Et puis vous allez à l'université, c'est pour avoir juste une licence en droit, mais vous ne deviendrez pas juriste parce que vous avez un visé et non une vision. Et là, je suis allé avec ce combat et j'étais sérieux. J'ai eu des éléments, je peux vous assurer, je peux faire la démonstration. Même les NU dont on parle, les nouvelles unités, d'après les informations que j'ai, officiellement c'est 68 000 nouvelles unités, mais quand on a décrété la gratuité, on est allé à 500 000. Même si on n'aime pas les pays. De 68 000 à 500 000. Alors, puisque j'étais tellement sérieux dans ce que je faisais avec des preuves, à un moment donné, le ministre a dit non, je vais diligencer une question à l'interne parce que quelqu'un était venu me voir, tu ne peux pas arrêter le ministre. J'ai dit, vous dites au ministre qu'il soit sérieux, que lui-même diligente l'enquête. Et puis à un moment donné, on dit non, il a fait l'enquête, il a élagué, il a réussi à élaguer beaucoup de haine. Finalement, il a reconnu, parce qu'au départ, Tony racontait des bêtises, mais finalement, on a reconnu, non, mais on les a réduits jusqu'à 144 000. Même 144 000, moi j'ai des informations, c'est toujours trop. C'est comme ça que j'avais demandé même au président de la République s'il y avait moyen de mettre en place une commission interinstitutionnelle pour assainir ce secteur-là. Et ça serait un secteur pilote à assainir parce qu'il y en a d'autres, je ne vais pas en parler maintenant, parce que ceux qui vont suivre peuvent prendre des dispositions. Donc, on a besoin
de 2, 3, 4, même un petit groupe, même de 20 seulement, de nous lancer dans tous ces secteurs-là, nous pouvons faire changer les choses. Nous avons la chance aujourd'hui au pays d'avoir un président de la République qui croit au changement. Des fois, vous allez le voir des députés et vous terminez, vous finissez, puis vous partez. Votre, l'habitude là que non, le président a donné l'argent transport, Félix Tshisekedi n'en a pas. Je me rappelle, quelqu'un est allé, non, président, donnez-nous les véhicules. Il a posé la question, avec quel argent? Mon argent ou l'argent de l'État? D'abord, je ne prends pas l'argent de l'État et moi-même, je n'ai pas d'argent. Fachi béton. Béton, béton. Alors, quand on dit béton, ça veut dire que quand il est convaincu de ce qu'il fait, il ne bouge pas, vous pouvez tout faire. Il est sérieux dans ce qu'il fait. Alors, la différence entre les hommes politiques d'après l'indépendance par rapport aux autres actuellement, c'est que ceux-là avaient quand même l'amour de la patrie. C'est comme ça, vous entendez que Kassavubu était allé en mission, il a restitué les frais dans la caisse de l'État, tout ça, et tous sont morts sans laisser des immeubles. Mais ici, chez nous, la politique, c'est ça le métier, c'est ça le business. Et pourtant, la politique, c'est une charge et un service. Quand on veut aller en politique, ça veut dire qu'on a autre chose qu'on fait déjà. On peut être dans le business. Je suis avocat, je suis professeur, c'est-à-dire que j'ai un métier, j'ai une profession. La députation, c'est un mandat. Si en 2023, on ne renouvelle pas la confiance par le peuple, il n'y a pas de problème. Je ne prendrai pas les armes. Je vais retourner dans ma profession, avocat, exercer. C'est fini. Et je vais vivre. Mais quand les gens trouvent dans la politique les moyens de s'enrichir vite, tout ça, facilement, vous trouvez quelqu'un le matin dans une extrême pauvreté et le soir dans une richesse insolente, sans transition. Donc vous ne savez pas justifier ça. Il y a une richesse qui n'a ni d'origine personnelle, ni familiale. Alors, des choses comme ça, le président a besoin d'être accompagné. Et nous, nous devons l'accompagner. C'est-à-dire, vous avez peut-être besoin des gens qui peuvent se sacrifier pour que le pays avance. On ne peut pas rester dans un pays où vous apprenez quelqu'un à lui-même. Il a détourné 15 millions, 20 millions, 40 millions, lui-même. Mais comment vous pouvez vivre avec 40 millions comme ça? Vous, mais, vous allez consommer ça comment? L'argent du pays. Alors, je vous assure que ce que vous entendez là, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir à la tête du pays d'abord quelqu'un qui est conscient et qui est convaincu du changement qu'il veut imposer. L'état des droits là, ce n'est pas chimérique. Et ça guette tous, donc chacun doit vraiment rester droit dans ses bottes. Et c'est sérieux. Nous devons l'accompagner parce que la loi du changement aussi, c'est la résistance. Il y aura des résistances. Tout ce que vous voyez, l'agitation, c'est pour que ça échoue. Donc, nous devons les soutenir en étant au pays ou à l'extérieur pour qu'ils réussissent. Le changement, c'est que chacun, d'abord, là où il est, s'il peut déjà faire quelque chose pour que les choses évoluent, les choses marchent. Je vais peut-être finir sur la question du parti. Quand on dit de soutenir le président de la République, il est issu d'une organisation politique qui est l'IDPS. L'IDPS a fait preuve de sa grandeur au cours des années. L'IDPS dans l'opposition, vous voyez que depuis que l'IDPS a quitté l'opposition, le terrain aujourd'hui, il est difficile parce que on ne sait pas se conformer aux exigences qu'implique la vie de l'opposition. C'est pas facile l'opposition. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un le matin, il dit une chose, le soir, il dit autre chose, tout ça. Donc finalement, c'est un opposant, un mécontent, tout ça. Donc tout est mélangé, on ne comprend rien. Et finalement, il faut aller sur des considérations tribales, ethniques, alors pour susciter une base. Donc c'est ce qui s'est fait, c'est ça la logique. Alors, la première structure politique qui doit accompagner le président Félix, c'est l'IDPS. L'IDPS, unis comme un seul homme, nous pouvons accompagner les chefs de l'État. Parce que j'imagine qu'à un moment donné, il se sent un peu seul quand il voit tout ce qui se passe au parti. C'est vrai que les gens se prennent.
tout le monde a besoin d'emploi. Mais oui, mais comment on va créer des richesses quand aussitôt il a pris le pouvoir, les gens créent et entretiennent artificiellement des tensions au pays pour faire fuir les investisseurs. Vous avez suivi vous-même. Pour qu'aucun investisseur ne vienne, ça veut dire quelles conséquences? C'est qu'il n'y aura pas d'emploi pour personne. Mais des gens comme ça vous disent non, nous voulons les remplacer pour gouverner. Mais pour connaître l'avenir de quelqu'un, il faut regarder son passé. Il y en a qui ont déjà géré, nous savons déjà de quoi ils sont capables. On ne peut pas espérer pour l'avenir. Alors, nous devons l'accompagner. Qu'on ait eu l'emploi aujourd'hui ou pas, l'essentiel, c'est que le pays soit remis d'abord sur les rails. Tout va s'arranger dans tous les domaines et tout le monde trouvera certainement de l'emploi. Donc nous sommes un peu, comme on dit, dans une période transitoire. On doit l'accompagner et le soutenir. Soutenir les partis et arrêter les divisions à l'interne, les conflits internes qui ne nous amènent nulle part. L'avantage avec l'UDPS, c'est que il y a la liberté d'expression. Tout le monde parle, tout le monde dit ce qu'il pense, mais des fois on en abuse aussi. Des fois on en abuse. C'est comme le collègue, le confrère Gauthier qui est là. Vous êtes avocat, des fois quelqu'un vous appelle, j'ai un client comme ça, et puis mon maître, voilà les problèmes que j'ai. Bon, ce que je vous demande, c'est que demain, allez devant tel parquet, il précise même l'adresse, le nom. Et vous voyez tel magistrat, vous déposez plainte, dites ceci dans la plainte, et puis on va arrêter tout ça. J'ai dit, mais apparemment vous connaissez et les droits et la procédure. Je ne pense pas que vous avez besoin de moi comme avocat. Faites-le vous-même. Parce que tout ce que vous dites là, d'abord, qu'est-ce qui vous prouve que c'est la vérité? C'est ce qu'il faut faire. Quand vous appelez un avocat, c'est un expert. Posez votre problème, écoutez-le d'abord. C'est comme un médecin, vous n'allez pas chez le médecin pour dire non, j'ai mal à la gorge, je crois qu'avant de venir ici, j'ai même acheté un produit, j'ai déjà, mais vous avez déjà pris le produit, vous êtes venu faire quoi à l'hôpital? Il fallait rester chez vous. Donc, tout le monde, comme beaucoup de nos frères et sœurs congolais, on est experts en tout. On parlait avec les amis ici, même dans le domaine du véhicule, vous avez un véhicule vraiment électronique et n'importe quel mécanicien vous dit non, on a réparé. Et puis il prend, il tripote, et le véhicule tombe en panne, et puis c'est fini. J'avais posé la question à un mécanicien ici qui m'a dit non, à chaque fois qu'il y a une nouvelle marque, tout ça, une autre option, les mécaniciens vont en formation. Mais chez nous, il n'y en a pas. Mais vous trouvez que non? Lui, il est spécialiste des Range Rover. À quel moment il l'est devenu? Parce que chez nous, on ne produit pas des Range Rover. Il n'y a pas de formation. Et on abîme des choses comme ça. Donc, expert en tout. Donc, que l'on connaisse aussi des limites. Donc, chacun, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Parce que ne mettons pas aussi les présidents en difficulté. Vous trouvez, bon, je suis combattant. Maintenant, comme j'avais animé telle cellule, au lieu de solliciter un emploi qui correspond à ses mérites, à ses aptitudes, donc on est prêt à exiger même les ministères. Bon, donnez-moi même le ministère de l'agriculture, parce que celui-là, ce n'est pas un ministère important. Le ministère de l'agriculture n'est pas important. Mais moi, je crois que c'est le plus grand ministère avant même les finances. Avant même les finances. Les finances, là, il fait quoi? Lui, là, on récolte l'argent, on lui donne tout ça. Mais l'agriculture, vous dites que c'est pas... Donc, nous devons accompagner les chefs de l'État, d'abord dans les partis, dans l'unité. Évitons ces débats-là, des pros, celui-ci, pros, celui-là. Soutenons les dirigeants du parti. Et puis, d'ici là, les choses peuvent se régulariser parce que la situation qui est arrivée avec l'UDPS, je crois que tout le monde... Connaissant déjà l'ancien régime, on se disait, ces gens ils vont faire un passage en force, on sait où est-ce qu'on va finir, où est-ce qu'on finira avec eux. Mais surprise générale, nous avons eu cette victoire-là parce que finalement, ils ont eu peur, ils ont dit finalement, s'ils font des bêtises cette fois-ci, ça ne sera pas bon. Et du coup, on est là, il y a des choses qu'on n'avait pas prévues, qu'on peut maintenant organiser, unir les partis, redynamiser les partis, pour qu'il reste toujours cette même force-là, même si on dit on doit conserver les pouvoirs, c'est vrai, mais il faut l'organisation pour les conserver et aller de l'avant. Donc, évitons nos conflits pro-X, pro-Y, ça ne sert à rien, ça ne nous avance pas. Est-ce que vous pouvez m'autoriser à vous remercier pour votre attention ?